Günther Love a retrouvé l'amour. Depuis un petit moment, l'ex de Daphne Burki s'épanouit auprès d'une très jolie danseuse, mais il n'a officialisé leur relation que ce mardi 5 décembre en postant une très belle photo de leur couple complice. En décembre 2020, Daphne Burki créait la surprise en annonçant sa rupture avec Günther Love, de son vrai nom Sylvain Kimen, qui était son fiancé de longue date et père de sa deuxième fille Suzanne, 10 ans. Celle qui est également la maman d'Ada, 17 ans, issue de sa relation passée avec Travis Burki, glissait cette information au détour d'un post Instagram assez subtil. Moi et mes filles, car oui, depuis un bon moment maintenant nous sommes devenus un gang de filles à la maison, si est-il dit. Nous vous souhaitons d'arriver à trouver dans les petits détails de la vie un peu de beauté, de la solidarité, de l'amour, jamais trop, et éventuellement une banane à bûche, écrivait-elle. Un mois plus tard, en janvier 2021, elle confirmait être bien célibataire lors d'une interview pour Téléstar, précisant, cela ne nous empêche pas de former une famille très soudée. Une belle danseuse, aucun retour de flamme n'est toutefois envisageable entre l'animatrice et le champion d'Air Guitar qui sont restés ensemble près de 10 ans. Ce dernier a fini de le prouver en postant une photo de lui et sa nouvelle compagne sur Instagram. En effet, Günther Love n'est plus un cœur à prendre. Il s'épanouit désormais auprès d'une dénommée Justine Catalla. Il s'agit d'une jolie blonde à la plastique de rêve qui se présente comme danseuse et chanteuse sur ses réseaux sociaux. Si est-il la première fois que Günther Love s'affiche à ses côtés, mais il forme un couple avec la belle Justine depuis au moins plus d'un an déjà, comme le révèlent ses différents commentaires sous ses posts Instagram. Daphne Burki bisexuelle, et alors quoi? De son côté, Daphne Burki se veut plus discrète quant à sa vie privée. Le 4 août dernier toutefois, alors qu'elle présentait un nouvel épisode de Drag Race France sur France TV / elle faisait son coming out et évoquait pour la première fois à la télévision sa bisexualité. Mon deuxième prénom, si est-il Colette. Je suis journaliste, comme elle. Divorcée, comme elle. Bisexuelle, comme elle. Et alors quoi, avait-elle lâché ?